Avant dernier match Real Madrid dans Liga, Ancelotti parlait dans conférence de presse pour faire connaître que il y a un joueur important qui pas jouer finale Ligue des Champions pour l'équipe Real Madrid là qui c'est Aurélien Tchouaméni. Nous allons parler du perte ça pour l'équipe Real Madrid là dans finale Ligue des Champions et by 11 possible pour Real Madrid contre l'équipe Dortmund là samedi prochain qui va venir là. Tap tap sin. C'est compagnie ça qui permet d'ouvrir l'argent, bah il faut avec amis ou sans ou pas besoin aller dans une maison transfert. Téléchargez l'application sur Google Play Store ou App Store ou même cap vivre États-Unis, Canada, France, Espagne pour citer pays ça seulement ou téléchargez l'application ou éligible. C'est cap débit ou pas besoin pour faire transaction. Ou pas besoin aller dans une maison transfert pour aller prendre ligne pour aller faire transaction. Famou bezanmou pas besoin aller dans une maison transfert pour aller recevoir l'argent. C'est téléphone pau ou téléphone pal. Famou bezan mon en Haïti juste besoin gagner mon cash énergie sur téléphone ni. C'est cap débit ou même cap faire transaction a besoin et automatiquement ou utiliser pour mon code moyen KIMHAITI K I M H A I T I pour recevoir $15 sur première transaction. L'automobile, téléchargez l'application l'automobile là sur Google Play Store pour placer Paris Sportif. Paris simple, Paris multiple, Paris combo et désormais gagner basketball avec tennis sur application l'automobile. Ancelotti a préparé match 1er juin qui c'est match qui est plus important pour l'équipe Real Madrid là qui c'est finale Ligue des Champions contre l'équipe Dortmund là. Mais entre-temps, rete yon dernière journée week-end ça qui c'est 38e journée. Yon dernière journée sans importance pour l'équipe Real Madrid là, mais c'est yon dernière journée côté que Real Madrid a gagné yon dernier sparring partner avant match 1er juin 2024 Kabine là. Certainement, dans le dernier match Real Madrid dans la Liga, pral gagner des titulaires indiscutables cap jouer match ça pour équipe Real Madrid là. Peut-être pas tout cap jouer 90 minutes, certainement c'est pas tout cap jouer 90 minutes, mais c'est le genre de match préparation pour préparer finale Ligue des Champions côté que ou Kembe Joyo en jambe. Eh bien, la conférence de presse là, Ancelotti évoquait le nom de Aurélien Tchouaméni qui pas joué final là à cause joueur là pas gétant récupéré à temps pour finale Ligue des Champions contre équipe Dortmund là. Real Madrid avec blessure, il a marché main en main depuis la saison a commencé. Pour qui ça m'a dit Real Madrid avec blessure a marché main en main depuis la saison a commencé? Pas oublié Eder Militao 7 mois que le page au football et joue là retourner pas jamais capable de jouer rythme. La preuve tellement grand devant nous. Dernier match contre l'équipe Villarreal là, c'était une peine pour Eder Militao. Si beaucoup toi pas gagné longtemps depuis de retourner. À la Bali même pas retourner pour l'équipe Real Madrid là. Qui c'est trois titulaires indiscutables qui étaient ratés des mois de compétition. Entre temps, Vinicius raté plusieurs mois de compétition, l'a cumulé durée indisponibilité. Aurélien Tchouaméni blessé plusieurs fois saison ça, qui fait le rater et plusieurs semaines de compétition. Kamavinga, même coup de bâton, hein. Bellingham te gagné blessure tout certes pas long dans dimension je vois comme c'était là yo mais Bellingham raté plusieurs matchs pour l'équipe Real Madrid là à cause problème cheville donc c'est quand même une équipe Real Madrid avec sacré les blessés hein, qui marchait mais non même pas dans la saison mais ça fait saison Real Madrid là c'est une saison spectaculaire c'est une saison unique en quelque sorte c'est parce que malgré gagner tout joueur ça au cap blessé rupture ligament trois joueurs importants pour l'équipe là nous rete deux matchs pour saison fini Real Madrid connaît seulement deux défaites et y a une seule équipe qui mettait deux Real Madrid à terre dans bagaille deux défaites là parler là seul Atlético Madrid après ça Real Madrid joue contre Bayern Real Madrid joue contre City. Real Madrid joue contre Barcelone.
Yon pa mette do Real Madrid ate. Real Madrid konnen deux défaites, yon nan coupe lan, yon nan championnat. Li pa perdu un match nan Ligue des Champions. C'est yon équipe qui habitué à jouer sans une série de joueurs très importants en dans équipe là, mais malgré tout, entraîneur là toujours tirer le meilleur de sa milieu. Brahim Diaz a sorti souvent comme super sub la décisif. Brahim Diaz a commencé un match, l'a fait un goal décisif. Oselou a sorti souvent, l'a fait deux goals qui a qualifié Real Madrid pour finale 1er juin contre Dortmund. Et tout ça, yo, staff coaching a gagné tout mérite li nan sa kapè la. Oui, individualité yo, yo très importante nan gagné Real. Bellingham, Vinicius qui c'est deux meilleurs joueurs d'attaque club là. Toni Kroos c'est leader organisationnel équipe Real Madrid là. Mais kounye la, le yon équipe capable de gagner des joueurs qui sont blessés à répétition et puis entraîneur a toujours une formule qui vous permet que le gagner. Oui, ou bat bravo pour jouer sur tout banc, ou bat bravo pour titulaire indiscutable ou qui décisif, mais entraîneur a un gros mérite sous résultat équipe là parce que li arrivé colmate brecho, li arrivé mettre une équipe extrêmement compétitive malgré gagner des blessures répétées. Aurélien Tchouaméni c'est profil unique ça dans l'équipe Real Madrid là dans ratisser ballon dans mettre en pile densité. Camavinga pas Tchouaméni. Tchouaméni pas Camavinga. Pour que ça me dit Tchouaméni pas Camavinga, Camavinga pas Tchouaméni, c'est deux profils qui différent. Oyele Tchouaméni c'est un médian récupérateur, yon 6 ratisseur qui met en pile intensité, qui bouche tout. Camavinga n'a bouché tout pour oui. Mais pas à même efficacité Oyele Tchouaméni. Et puis jouet Camavinga li porté vers l'avant. Qualité le gagné pour lui jouer dans demi-espace. Qualité le gagné pour lui dans box-to-box, pour lui aller dans verticalité, jouer là avec un pile fougue, avec un pile énergie. Jouer Aurélien Tchouaméni, lui dans récupération, lui récupérer, lui boucher tout, lui boucher espace, lui bail partenaire qui pipe rien, même le techniquement, c'est un joueur qui au-dessus de la moyenne, lui capable de faire un contrôle, lui gérer le ballon et puis le bypass là. Donc c'est profil unique ça a accueilli l'équipe Real Madrid la gagne de la récupération avec Aurélien Tchouaméni. Yo connaissez et compenser avec Toni Kroos Valverde qui jouait côte à côte. Mais Tchouaméni c'est profil ça qui unique, ça veut dire Camavinga pas qu'a fait avec efficacité ça Aurélien Tchouaméni a fait. Li valable pour Valverde, il est valable pour Jude Bellingham. Ça que belle équipe ça c'est complémentarité qui gagne au niveau du milieu. Bellingham, il est dans dernier parti terrain, l'a fait goal. Valverde n'a pourtant plus énergie et box to box tout. Toni Kroos n'a pas joué là à tempo. Tchouaméni dans récupération. C'est équipe Real Madrid là. Kounye là, pas gagne Aurélien Tchouaméni qui 11 que je crois que Ancelotti doit mettre contre l'équipe Dortmund là. Si beaucoup toi dans moi-même, je ne peux pas parler de la situation. Il y a un peu de monde qui n'est pas content. Mais je joue finale Ligue des Champions avec Koutoua, Solonin. Parce que moi-même, je toujours dis ça. Si on dit, ah, Lounin, tu es joué contre Bayern, joué contre City, meilleure équipe que Dortmund. Pour chita argument là pour dire que Lounine doit jouer ou bien ou aller rentrer dans logique pour dire bon faut que le club reconnaisse avec Lounine et il fait toute saison hein, il remplace pour toi faut le jouer final là pour moi gagne un bagage qu'on oublier oublier que Courtois c'est numéro 1 poste là c'est le chef poste là
C'est titulaire indiscutable pour cela. Li tourner physiquement la pointe, c'est ligue pour jouer final là. Et pression qui gagne en finale, li pas pression demi-finale. Pression qui gagne en quart de finale, li pas pression finale. Li mette Real Madrid qui prend le jeu contre Getafe non finale Ligue des Champions, la mis plus pression. Parce que son finale est ton finale. Équipe qui va faire finale là, c'est parce que li travaille pour arriver là. Avec premier bagage pour connait. Et parce que le travail pour arriver là. Et dans cas d'autre monde là, ou pas qu'à dire que d'autres mondes là, c'est facile. D'autres mondes a connu des difficultés depuis notre premier match des champions. Pas oublier d'autres mondes dans le même groupe avec Paris, dans le même groupe avec Castel, dans le même groupe avec Milan. En pile expert football, t'es qui t'en ouais d'autres mondes mort. Il est tellement pas mort, il finit leader dans le groupe. Quand Atletico Madrid a perdu match à l'IA, il est 2-0 dans le match retour là. Atletico Madrid égalisé de 2. À partir de ce moment, c'est lui qui est éliminé. Lui bat Atletico Madrid. Ça veut dire, Dortmund pas jamais dans une partie de plaisir. Dortmund pas jamais dans une partie de plaisir dans la Ligue des Champions. Ça veut dire, c'est pas cadeau au fait de Dortmund. Donc, il y a une pression. Si beaucoup de toi dans le camp, Caval, latéral droite, latéral gauche, Mendy. Défense centrale, Rudiger et Nacho, parce que moi pas jugé et Militao tourner Jean Courtois tourner. Par exemple, Courtois tourner avec force. Dernier match Real Madrid joué dans Liga, Courtois pas joué. Et sous le dernier match Courtois joué, il fait 10 arrêts. Dernière fois, un goalkeeper Real Madrid fait 10 arrêts, il pas prend un goal dans le match. C'est Casillas en 2008. Il fait 11 arrêts. Je crois que Nacho ou Diguer, c'est Yo qui doit dans la défense centrale. Je ne vais pas faire des militaires en confiance parce que je vois beaucoup de rythme. Dans le terrain, Kamavinga. Kamavinga, Kous, Valverde, Bellingham. Kamavinga, Kous, Valverde, Bellingham. Connaissant Ancelotti tout, Patan nou, Sebayos, Arda Guler, Brahim Dias. Je crois que c'est Kamavinga qui a nommé le terrain à Kous, Federico Valverde et Bellingham. En attaque, deux compères brésiliens, Vinicius, Origo. Je crois que c'est comme ça, Real Madrid doit camper. Et c'est choix coach, mon entraîneur, même presque sûr. Il y a 95% de chance pour ces joueurs qui commencent pour l'équipe Real Madrid. Mais, il y a blessure, pas de problème pour l'équipe Real Madrid depuis la saison commencé. Vinicius, Tchouameni, Kamavinga, Bellingham, Courtois, Militao, Alaba. Pas de problème. Yo, excellente saison. Finaliste Ligue des Champions. Champion, championnat. Champion, Super Coupe. Yo connaît seulement deux défaites. Et pour toute blessure, ça, yo, c'est quand même une grosse saison pour l'équipe Real Madrid là. Au regard du résultat, il fait sous saison 2023-2024. Mais il a bien aimé boucler avec titre le 1er juin contre l'équipe Dortmund là. Un stade mythique là, Wembley.